Je m'appelle Oguie Eva, j'ai 17 ans, j'habite à côté de Péronne. Je m'appelle Clémence Ennuyé. Je m'appelle Jeanne Proyard, j'ai 18 ans et j'habite à Corbie. Je m'appelle Mathilde Lamiaud, j'ai 20 ans. Je m'appelle Jérémy Verweck, j'ai 17 ans. Bonjour, je m'appelle Mélissa Mushkovic, j'ai 17 ans. Je m'appelle le jeune Léo, j'ai 17 ans. J'ai choisi ce bac pro BIT Bio-Industrie de transformation car plus tard je souhaite devenir fromagère. On apprend à faire des transformations de la matière première jusqu'au produit fini. Et on va aussi voir tous les types de conditionnement qui peuvent exister parce que d'un produit à un autre ça peut être différent. Par rapport à notre lycée, l'avantage ici c'est qu'on est à plus petit effectif. On a 7 semaines de stage. On découvre des techniques dans les entreprises qu'on n'apprend pas forcément au lycée. Les matières théoriques, en général, on fait le français, on fait les mathématiques, la géographie, l'histoire, l'éducation socioculturelle. On est une classe de 8 et donc on a une ambiance de classe qui est agréable. Tout le monde s'entraide. J'ai 17 ans et j'ai choisi ce lycée parce que c'était assez familial. J'aime bien la microbiologie, la biologie, la chimie et surtout parce que ça m'intéresse pour ce que je vais faire plus tard. Je m'appelle Marie, j'ai 18 ans. Je suis au lycée Sainte-Colette à Corbie. Je m'appelle Kylian, j'ai 19 ans, je suis en terminale à Sécu. Bonjour, je m'appelle Amandine, j'ai 17 ans, je suis en terminale laboratoire contrôle qualité au lycée Sainte-Colette à Corbie. Je m'appelle Noé, j'ai 18 ans et je suis actuellement en terminale laboratoire contrôle qualité, du coup LCQ. Alors je m'appelle Elena, j'ai 19 ans, donc je suis en bac pro laboratoire contrôle qualité. Je m'appelle Lucas, je suis en terminale bac pro laboratoire contrôle qualité. Je m'appelle Pauline, j'ai 17 ans et je suis en terminale laboratoire contrôle qualité. Je m'appelle Benjamin, je viens de Fresnoy-le-Roi à côté de Roy. J'ai 17 ans et donc j'ai choisi le lycée Sainte-Colette car j'aimais beaucoup le milieu du laboratoire et on m'a parlé de ce lycée. Et en venant faire les portes ouvertes, j'ai apprécié et du coup je me suis inscrit. Bonjour, je m'appelle Marine, j'ai 18 ans, je suis actuellement en terminale LCQ, donc laboratoire contrôle qualité. Dans notre spécialité, on voit tout ce qui est laboratoire, donc on fait beaucoup de manipulations, il y a aussi de la théorie, donc il y a beaucoup de calculs, de chimie, de physique. J'ai choisi LCQ car j'aimais beaucoup le laboratoire. C'est un bac professionnel qui permet de faire des manipulations en laboratoire. Un côté plus familial car il y a beaucoup moins d'élèves. Du coup, c'est beaucoup plus facile d'avoir des renseignements ou d'avoir des explications par les professeurs. On a fait un projet. On a pu visiter un site de spiruline dans la Somme à Saint-Léger-les-Authies. Au lycée, du coup, l'équipe enseignante est à notre écoute et nous aide vraiment pour progresser dans leur matière afin qu'on puisse avoir notre diplôme. Alors oui, j'ai bien aimé la manipulation en chimie. Donc pour voir s'il y a les frais, donc par exemple, on vient prendre une burette graduée. Dedans, on va venir mettre de la soude. Dans un Erlenmeyer, on va venir mettre du lait, quelques gouttes de phénolphtaléine. On va venir faire un dosage approximatif ou précis. Et en fonction du résultat au niveau de la burette, on va pouvoir déterminer si le lait est frais ou non avec les degrés d'ornique.
Donc nous avons des analyses microbiologiques, par exemple un stécaché, pour déterminer s'il y a présence de staphylocoque, E. coli, pour savoir si après ça va être propre à sa consommation, si on va pouvoir le consommer. Ayant beaucoup plus de cours en pratique que de théorie, je me redécouvre à aimer l'école. Enfin, j'ai vu une conseillère d'orientation et on a remarqué en discutant que ce que j'aimais, c'était le concret et la pratique. Donc on s'est dit que la filière professionnelle, ça devait être un enseignement qui me correspondrait plus que le général, qui était vachement théorique. Donc après l'obtention du bac laboratoire contrôle qualité, nous pouvons faire un BTS à la biotech.